Est-ce que c'est plus facile un cas d'entraînement quand il y a autant de joueurs de 4e, 5e année? Oui, je pense que quelque part, les choses vont plus vite dans le point de vue de l'assimilation des systèmes offensifs, défensifs, ça va beaucoup plus rapidement. On sent une équipe qui est plus mature. C'est pas arrivé souvent autant de joueurs de 5e année, c'est bien dernière. Non, c'est très rare. C'est souvent pas aussi souvent nos joueurs. Soit qui vont à cause de le système scolaire au Québec, tu peux faire ton bac en 3 ans, donc souvent vont étirer ça en 4 ans. C'est rare qu'ils vont faire 5 ans. Les joueurs d'habitude, les cohortes qui vont professionnels ont la fâcheuse ou la bonne chose de faire l'équipe dès la première année. Donc, ça fait qu'on n'a pas beaucoup de joueurs de 5 ans, en effet. Donc, cette année, c'est un peu spécial. Ça fait 3 ans que c'est exactement les mêmes joueurs qui jouent. Donc, c'est sûr qu'il y a une très bonne cohésion. Mais à chaque année, tu sais, c'est de recommencer à cause départ. Il y a des nouveaux joueurs à chaque année. Donc, c'est vraiment de recréer une nouvelle cohésion avec ces nouveaux joueurs-là, puis de progresser, là. Mon but à chaque année, c'est de recommencer à cause départ. T'sais, ce que tu as fait dans le passé, ça ne t'aide jamais pour une nouvelle saison. Donc, c'est vraiment de progresser de match en match, puis d'essayer d'avoir un nouveau rôle de leader cette année, d'essayer d'aider mon équipe à remporter des matchs.